Tupac Shakur, la légende. Parole sage. Tupac was an extraordinary figure. Tupac était un personnage extraordinaire. Il était obsédé par la mort et par Dieu. Aidez-moi, dites-moi où aller. Même les racailles peuvent pleurer. Le Seigneur s'en soucie-t-il? Il hurlait, criait sa peine, priait pour une intervention. Alors même que sa chute se précipitait, il suppliait pour qu'on l'arrête. Pour moi, c'est sa rage, son génie et sa perception de l'abysse, alors même qu'il faisait tout pour empêcher les autres d'y sombrer, qui font de lui la figure majeure de sa génération. Son autodestruction et son amour plein d'espoir pour le peuple noir étaient antinomiques, mais caractéristiques de son génie, et en font le symbole parfait d'une jeunesse désorientée. Mon amour pour le peuple noir conditionne ma vie. Ma mort, ma musique, mes films, mes productions, mes interviews, tout pour l'amour du peuple noir. Jamais je n'oublierai le soir où ils m'ont pris mon pote. J'essaie de ne plus y penser, mais les images défilent sans cesse dans ma tête. Désormais, c'est dans mon cœur que repose Tupac. Et la moitié de mon cœur est hantée par la mort. Tupac, tu me manqueras toujours. Tu es la voix de notre génération. S'il y a une chose que ses fans doivent savoir, c'est que Tupac avait un cœur gros comme ça, malgré ce qu'on a pu dire ou écrire sur lui. Vous pouvez me croire, son cœur débordait d'amour. Je sais pourquoi vous tenez tant à croire qu'il est toujours vivant. Vous espérez tous qu'il revienne. C'est le cas. Avec sa musique. La vérité, c'est qu'il se trouve dans un monde meilleur, un monde où il a trouvé la paix et où son cœur se repose enfin. Ce documentaire est dédié à la mémoire de Tupac Shakur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais lui tirer mon chapeau et saluer ce frère jeune et courageux. Repose en paix, Pac. Tu vas me manquer. On t'aime. Ce pays est profondément raciste. Et face au mouvement des Black Panthers, le gouvernement a paniqué. Ils ont monté une cellule de crise, persuadés que les Panthers étaient nuisibles à la société. Ils sont donc allés les arrêter chez eux, en particulier ceux qu'ils considéraient comme les plus dangereux. Quand ma mère était enceinte de 9 mois, non, 7, ils ont fait croire à un incendie. Il était 5 heures du matin, ma mère a ouvert et ils sont entrés en pointant une arme sur son ventre et sur sa tête. Ils lui ont dit de ne pas bouger et ils l'ont arrêté. Lee Sane Parrish Crooks est né le 16 juin 1971 à Brooklyn, New York. Sa mère a pris le nom d'Afeni Shakur et Lee Sane est devenu Tupac Amaru Shakur. Après New York, ils ont vécu à Baltimore avant d'aller en Californie. Tupac est alors entré dans une phase difficile. Adolescent, ballotté de ville en ville, il met à profit ses talents de rappeur pour survivre. Il est engagé comme danseur par le groupe Digital Underground et finit par chanter sur leur single, Same Song. Ce morceau lui permet de signer avec Interscope Records, où il enregistre son premier album, Tupac Calypse Now. Cet album reflète sa jeunesse militante. Il abandonne l'image de l'artiste insouciant qu'il avait avec Digital Underground pour aborder d'autres sujets plus graves dont la vie dans la rue, l'amitié et la hantise de sa propre mort. La vie privée de Tupac est aussi controversée que celle des personnages qu'il incarne au cinéma.
En 1993, il est impliqué dans une fusillade à Atlanta avec deux policiers en civil. La même année, à Hollywood, il se bat avec un chauffeur qu'il accuse de se droguer dans sa voiture. Puis, il fait 10 jours de prison pour avoir agressé un autre rappeur originaire de Lansing, Michigan. Avec toutes ces accusations, Tupac devient la cible des politiques et des religieux qui l'accusent d'incarner la face obscure du rap. Des noms comme Tupac Shakur, Flavor Flav, Snoop Doggy Dogg. Le révérend Calvin Butts part en croisade contre la violence dans le rap depuis sa chaire à Harlem. Nous n'avons rien contre le rap, ni contre les rappeurs. Mais contre cette racaille. Je dis que je suis une racaille parce que je viens de la rue et que j'y vis encore. Pas parce que je suis un voleur et un violeur. Je suis un homme d'affaires et on me trouve là où je fais des affaires. C'est clair? Pas ailleurs. Je comprends pas, vraiment pas. Thug life veut dire la haine que tu donnes aux enfants, tu te la reprends dans la gueule. C'était un acronyme pour parler des difficultés des jeunes noirs. T-H-U-G-L-I-F-E. La haine que tu donnes aux enfants, tu te la reprends dans la gueule. C'est-à-dire, la haine que tu as semée, tu vas la récolter. C'est notre code. Je pense que cette musique, ou du moins les artistes qui expriment ces réalités, génèrent la violence et tuent les messagers. En gros, le gangsta rap dit la réalité telle qu'elle est. Il dit la réalité du point de vue de la rue. On vient de la rue. On est les mieux placés pour en parler et dire ce qui s'y passe. L'essor des disques de gangsta rap a donné une voix à des gens qui ne s'étaient jamais exprimés. Longtemps, on a traité nos femmes de chiennes. On s'est toujours battu contre ça. On nous traitait de nègres. On s'est toujours battu pour que ça cesse. Mais là, c'est votre peuple qui parle. Maintenant, on a des rappeurs qui sont payés pour dire ce contre quoi on s'est toujours battu. La culture hip-hop est profondément nourrie de gynophobie. La phobie de la femme, le mépris de la femme. D'où les mots chienne, pute, salope et pétasse à gogo dans les chansons. Ils expriment avec une virulence extraordinaire cette haine de la femme dans un dualisme intéressant. J'aime ma mère, mais je hais ses filles. Quand la mère est envisagée d'un point de vue sexuel, elle est bannie. Mais dès lors qu'elle remplit uniquement sa fonction de mère, elle est adorée et portée au pinacle. Ce rapport amour-haine de la mère, ce dénigrement agressif et ce culte de la mère est le symbole caractéristique de la culture hip-hop. Cette dualité est particulièrement évidente dans la musique de Tupac Shakur. Sa musique reflète sa réalité et insulte souvent les femmes. Mais il a aussi montré une certaine responsabilité avec des chansons comme « Dear Mama » ou « Brenda's Got a Baby ». Évidemment, les rappeurs ont une responsabilité. Ceux qui les paient sont responsables aussi. Mais ceux qui ont créé le contexte le sont plus encore. Si on accédait moins facilement aux armes et à la drogue, s'il y avait moins de chômage et de misère, le rap serait abstrait. Malheureusement, il parle de la réalité. Et quelque part, j'ai l'impression que les médias se sont plus focalisés sur le rap que sur la réalité. Si vous voulez parler de la violence, parlez aussi de la réalité et pas uniquement du rap. Le rap est une extension de la culture. Luttons contre la violence dans la culture. J'espère que vous mettrez ça dans votre film, car c'est la vérité. Ne transformez pas tout au montage en me mettant d'un côté et les rappeurs de l'autre. Ce sont nos enfants et ils souffrent. Peu importe ce que vous pensez, je suis votre enfant. Vous ne pouvez pas m'ignorer. Seul Dieu peut me juger. En 1994, il est accusé d'avoir violé une femme rencontrée dans un club à New York. Mais Tupac clame son innocence tout au long du procès.
Quand j'ai entendu les conclusions de l'accusation, c'était si loin de la vérité que ça m'a complètement sidéré. Mais maintenant, c'est au juré de décider. J'en apprends beaucoup sur les peurs des gens. Ce procès va bien au-delà de mon cas personnel. C'est devenu le procès du rap et des racailles tatouées. On ne parle plus de moi, mais des cauchemars des gens. Ils ont parlé de la Thug Life. Pour eux, avec Thug Life tatoué sur le torse, je ne peux être que coupable. C'est quoi ce raisonnement? On a des vies différentes, on vient de lieux différents. Je suis différent, mais pas violeur pour autant. Comment peuvent-ils dire ça? Ils ne peuvent pas prouver que je l'ai sodomisé, même si c'est ce que disent tous les journaux. Au tribunal, ils ne reprennent que ces affirmations à elle. C'est parfait pour m'envoyer en prison. Tout est faux, je veux que les gens sachent la vérité pour que justice soit faite. Ma vie est brisée car personne sait ce qui s'est vraiment passé. J'ai interviewé pas mal de femmes qui connaissaient Tupac, qui l'aimaient. Et d'autres qui ne le connaissaient pas. Pas une n'a voulu croire qu'il était coupable de ce viol. Et le fait qu'il n'y ait aucune trace de sperme? Pas de sperme, pas de trace de violence au niveau de l'anus, rien. Ni d'empreinte sur l'arme? Pas d'empreinte, vous voyez? Celui qui a été sodomisé dans cette histoire, c'est moi. C'est moi qui devrais porter plainte contre cette fille. Elle m'a sodomisé dans ce club. Je fais quoi dans ce tribunal? Rendez-moi ma vie, mais je tiendrai bon, car je veux montrer que je crois en la justice américaine. Le fait que je fasse confiance au système et au jury devrait les pousser à faire de même. Je suis déjà condamné, j'ai plus de vie, j'ai perdu mon job, j'ai tout perdu. J'ai plus de voiture, je peux rien louer, mais je m'accroche. Je suis là, je souris, je signe des autographes, mais bientôt je vais craquer. Ce viol dont on l'accuse, j'étais là pendant cette histoire. Tous ces gens qui étaient là, « Ah, tu n'as que ce que tu mérites !» Ça lui a fait mal. Ça lui a déchiré le cœur. Je suis innocent. Regardez mes yeux. Lisez dans mes yeux. Si vous croyez que je l'ai violé, écoutez Brenda's Got a Baby et Keep Your Head Up. Vous verrez bien. Je n'ai aucune patience avec ceux qui doutent de moi. C'est trop dur. Si mes frères ne me soutiennent pas, qui le fera? Les Blancs me voient comme ça parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils n'ont pas entendu Keep Your Head Up. Je ne l'ai pas écrite pour me donner une image. Je ne l'ai pas écrite pour que les gens me trouvent sympa et se disent que je suis cool. Je l'ai écrite avec mon cœur. Mais s'ils veulent m'accuser de viol, mes sœurs pourront toujours leur dire que je ne suis pas comme ça. J'aurais jamais écrit « Keep your head up » si elles pensaient que j'étais comme ça. Le 30 novembre 1994, alors que son procès est en cours, Tupac et ses amis vont en studio à New York et sont agressés par des hommes armés. Tupac reçoit 5 balles, dont 2 à la tête. Apparemment, Shakur a été attaqué par des voleurs alors qu'il arrivait avec 3 amis dans un studio de New York tôt ce matin. Le manager de Shakur a lui aussi été touché. Les 2 hommes sont actuellement en procès et accusés d'abus sexuels. Au grand étonnement des médecins, Tupac quitte l'hôpital le jour même et se rend au tribunal dans un fauteuil roulant. Il ne veut pas que la fusillade passe pour un coup de pub auprès du jury. Malgré le courage dont il a fait preuve, Tupac est condamné pour agression sexuelle. Shakur a été déclaré coupable d'une agression sexuelle commise en novembre dans une chambre d'hôtel à New York. Cependant, le jury l'a acquitté pour la sodomie et le port d'armes. Shakur, blessé par balle lors d'un cambriolage supposé, n'a pas assisté à la lecture du verdict. Tous les yeux braqués sur moi. Comment je suis devenu le garde du corps de Tupac? Je travaillais pour Death Row Records dans le studio. Je m'occupais de la sécurité du studio. Quand les artistes arrivaient, Tupac parmi tant d'autres, j'étais à la porte et je les ai entrés après avoir vérifié qu'ils n'étaient pas armés. Pac m'a observé plusieurs fois quand il est venu au studio. À l'époque, j'étais le garde du corps de Snoop and Zadok Pound.
Un jour, on était à New York pour tourner une vidéo. Pendant ce tournage, malheureusement, les choses ont mal tourné. Il y a une fusillade sur le plateau et j'ai dû intervenir. Je ne veux pas me faire passer pour un héros, mais dès que j'ai entendu les coups de feu, j'ai foncé sur le plateau et j'ai mis tout le monde à l'abri. J'ai évacué tout le monde pour les mettre en sécurité dans un van, loin des coups de feu. Pour finir, tout le monde s'en est bien sorti. Tout s'est bien fini ce jour-là à New York. Le soir de cette fusillade, c'était en décembre 1995, on est rentré à l'hôtel et on a passé pas mal de coups de fil. On a quitté New York le lendemain. Tous les artistes ont été évacués. Et dès le lendemain, on était revenu à Los Angeles. Reggie m'a appelé pour me dire que Shook voulait me voir. J'allais donc retourner au studio le lundi suivant. Lundi, j'arrive au studio et Shook me demande ce qui s'est passé à New York. Il me convoque dans son bureau. J'y vais et je lui raconte en détail ce qui s'est passé le jour de la fusillade. Puis il me dit « Tout le monde te voit comme un héros ». J'étais là. « Vraiment ?» Il acquiesce. « Bon boulot. » Reggie a engagé plusieurs gardes du corps pour Tupac. J'en faisais partie, ainsi que Kevin Hackey, Kenneth Archer, Cooper Hagen et Leslie Galvin. Tupac avait 5 gardes du corps rien que pour lui. On alternait 2 jours de travail, 2 jours de repos, avec toujours 2 personnes en service pendant que les autres se reposaient. Je travaillais à la sécurité du Club 662. J'ai reçu un coup de fil de Reggie dans la journée, qui m'a dit « Shook veut te parler. Je pense qu'on a une proposition pour toi. » Je lui demande ce que c'est. Il me dit de venir. J'insiste et il me dit que ça concerne Tupac. Le soir même, ils sont passés au Club 662. Pac était là avec Shook. Je l'ai salué. J'ai ouvert la porte et il est sorti. Puis il me demande si je suis au courant. Je dis non et il répond « Tu vas être mon garde du corps. » Je t'ai choisi pour me protéger. J'ai trouvé ça très cool. Je ne m'en doutais pas avant qu'il me l'annonce. Avec ce que Reggie m'avait dit, j'avais compris que j'allais travailler avec Tupac, mais je ne savais pas que je deviendrais son garde du corps. Comme il me l'a expliqué, j'allais être son garde du corps numéro 1. Juste après ça, on a fait un combat de boxe à Vegas. Le soir, ils ont fait leur show et on est rentré à LA à la fin du week-end. Et dès le lendemain, dès le lundi matin, j'ai commencé avec Tupac. À partir de là, on ne s'est plus quitté. Je l'accompagnais partout. On s'entendait vraiment bien. Avec le temps, Frank et Tupac deviennent les meilleurs amis du monde. Ils vont partout ensemble. Ils sont inséparables. Frank s'assure même que Tupac respecte bien ses engagements avec Death Row Records. Alors que sa fin approchait, ses films, ses clips et le studio étaient ses 3 principales préoccupations. Il bossait dur. On allait partout. On roulait à 120 km/h. Je roulais derrière lui. Je l'accompagnais à tous ses rendez-vous. Mais quoi qu'il arrive, la journée se finissait toujours au studio où il écrivait ses textes et composait sa musique. Il écrivait et composait. C'était un vrai miracle. Parfois, on s'arrêtait devant une boutique. Il demandait au chauffeur ou à moi de s'arrêter. Il fonçait acheter un bloc, des stylos, et se mettait à écrire. Une fois, pendant le trajet entre le tribunal de Los Angeles et sa maison sur Wilshire Boulevard, il a écrit 2 ou 3 pages de paroles. Le soir même, on est allé au studio et il les a mises en musique. Il écrivait vite et de manière brillante. C'était un poète de la rue, si on peut dire.
Il parlait des conditions de vie du peuple noir, surtout des pauvres, et plus particulièrement des hommes. Le plus important, c'est qu'il avait du cœur. C'était le Allen Iverson du hip-hop. Il avait un cœur énorme et vulnérable. Son cœur était mis à nu et il s'exprimait au travers de ses textes. Je ne serais pas là à respirer tranquillement si j'étais aussi mauvais qu'on le dit. On ne m'approcherait pas. Mais je suis calme et en paix avec moi-même, car je sais que si vous preniez le temps de me connaître, vous seriez surpris. Il a fait quelque chose de grand pour ma nièce. Elle est paraplégique. Avec l'aide de ma sœur, elle avait contacté l'association Faites un vœu, qui a voulu organiser pour ma nièce et un autre enfant une rencontre avec Janet Jackson. À l'origine, ça devait avoir lieu à Los Angeles. Mais elle a voulu que la rencontre se fasse à New York. L'enfant vivait à New York, alors que ma famille est à Chicago. Alors ma sœur m'a appelé pour me dire que ça n'allait pas. Janet Jackson ne va plus à Los Angeles, mais à New York, car elle a un autre engagement, à New York, j'imagine. Elle a décidé de faire la rencontre là-bas. Et l'enfant, qui habitait New York, allait avoir la possibilité de la voir malgré tout. En plus, le problème avec les artistes et les célébrités qui acceptent de rencontrer des enfants par le biais de l'association, c'est que la durée des rencontres varie selon leur emploi du temps. Pour ce qui est de Janet, ma sœur m'a expliqué que l'entrevue serait courte, car elle était très occupée. On a donc décidé que quand elle viendrait en Californie, elle passerait une journée entière avec Tupac. Soit chez lui, soit en studio, soit sur un plateau de cinéma. C'était trois fois mieux que ce qu'elle aurait eu avec Janet Jackson. C'était plus personnalisé. J'étais le garde du corps de Tupac. C'était pour ma famille. Il avait accepté parce qu'elle était de ma famille, mais aussi parce qu'on avait une relation particulière et qu'on était devenus très amis. À sa place, je me sentirais mal. Tu fais ce que tu veux. Respect. J'espère que t'es chinois, vu le tatouage que tu te payes. T'es chinois ou pas? Ah, tu peux nous le dire. Ça veut dire deux pâtés impériaux. Hey, filme-moi ça. Pour ceux qui lisent le chinois, si vous nous regardez, ça veut pas dire deux pâtés impériaux emportés avec sauce piquante. J'ai pas raison? Les négros se font pas tatouer du chinois. Ça se fait pas chez nous. Mais il n'est pas comme nous. On va t'appeler le chinois maintenant. Tu sais que t'es drôle, toi? Il a raté sa vocation. Il aurait dû être comique. Hé, hey, regarde le négro là-bas aussi. Il veut être chinois. Chez nous, on le surnomme Frankie. Frankie? C'est ça que t'as dit? Frankie? Dis à Frankie de m'appeler. Frankie, appelle-moi quand elle te le dira. Quoi? Quoi? Frankie va à Hollywood. Hey, Frankie! Arrête ça, c'est bon. Quoi? Vous l'appelez pas Frankie? À partir d'aujourd'hui, c'est réservé à la famille. Comment vous l'appelez? Frankie, désormais. Frankie, t'es fichu. On va t'appeler comme ça, maintenant. Comme le DJ Frankie Knuckles. Frankie Knuckles. Non, mais franchement, comment vous l'appelez normalement? Franck. Mais avec AI, c'est pas mal aussi pour le soir. Ça lui rajoute un petit côté sexy. Comme la chanson Too Sexy Paul. Ma famille est venue le 10 juin 1996. Ce jour-là, le 10 juin, Tupac devait être au studio, car on avait fini le tournage du film Gridlocked.
J'ai appelé ma famille et je leur ai expliqué où nous rejoindre. Ils sont arrivés et quand il les a vus, Tupac les a accueillis à bras ouverts. Il les a fait entrer dans le studio, il a repris sa session de travail et il a fait quelque chose pour ma famille, pour ma nièce, que personne n'aurait osé espérer à cette époque. Car il avait ses films, ses vidéos, plus le travail en studio. Il avait un emploi du temps plus que chargé. Continue. Non, j'arrête là. Je suis trop contente, franchement. J'ai vraiment passé une super journée. On recommencera. Hey. C'est promis. Oui. Pas de promesse, c'est trop dangereux. Je pourrais mourir ou aller en prison d'ici là. Non, faut pas dire ça. Y a-t-il un ghetto au paradis? Le 6 septembre, la veille du jour où on a tiré sur Tupac, le 7 septembre, je suis arrivé à Las Vegas le 6 septembre, un jour avant. Tupac n'était pas encore à Las Vegas quand je suis arrivé. Avant ça, j'étais en vacances. Je suis parti tôt de chez moi ce jour-là. Et j'ai fait en sorte d'arriver à Las Vegas avant lui. On était à l'hôtel Luxor, l'hôtel choisi par Death Row Records. Je me suis installé et j'ai retrouvé les autres. On n'a rien fait de spécial. Le lendemain arrive, c'était un samedi. J'attendais le moment où Tupac allait arriver. On avait une réunion sur la sécurité à midi. Cette réunion était organisée en collaboration avec un cabinet d'avocats de Las Vegas. George quelque chose, je ne sais plus trop quoi, pour la sécurité. Les agents de la ville allaient être sur le qui-vive pour le combat entre Mike Tyson et Seldon. D'où la réunion de ce jour-là. Ce jour-là, on nous a demandé de ne pas venir armés au club après le combat. On ne devait pas les avoir sur nous. Il fallait les laisser à l'hôtel ou dans nos véhicules. On en a discuté et on a décidé de laisser nos armes dans les voitures. Voitures qui seraient au parking, puisqu'il nous faudrait conduire. S'il arrivait quelque chose, une seule personne serait armée. Mais nous pourrions aller chercher les nôtres au parking et on ne quitterait pas l'hôtel sans armes. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande d'abandonner vos armes avant cette fois-là? Jamais avant le 7 septembre,
On nous avait demandé de laisser nos armes quelque part. Sauf quand on quittait la Californie en avion pour un tournage ou une tournée. On savait qu'on ne pouvait pas être armé en avion. Et on ne les prenait jamais avec nous. Mais avant ce jour-là, jamais on n'avait eu de réunion spécifiant qu'on devait abandonner nos armes. C'est tout. C'est le premier événement bizarre et pas le dernier à arriver pendant ce week-end. Après le déjeuner, j'étais en voiture avec Reggie Wright. Il m'a demandé de venir avec lui. J'ai accepté. Là, il m'explique que ma radio, une radio Nextel qui faisait aussi téléphone, il me dit que mon coéquipier, Kevin Hackey, qui était avec Tupac pendant mes vacances, a gardé la radio et qu'il est encore à L.A. Reggie lui en voulait beaucoup de ne pas avoir rendu la radio. Il n'était pas là au moment où j'aurais dû la récupérer pour pouvoir l'emporter à Las Vegas. Reggie me dit, va chercher Pac, il est là. Je ne m'y attendais pas, mais il était déjà arrivé. Je lui dis d'accord, et je pars au Luxor chercher Tupac. En arrivant, je le trouve à une table de jeu. Je vais lui dire bonjour. Tout de suite, il me fait, Big Frank, où t'étais passé? Je lui explique que j'étais en vacances, etc. Tout allait bien. Tupac était complètement surexcité. Il me fait, partons d'ici, je le sens pas ce casino, allons ailleurs. Je lui demande où il veut aller. Il répond, allons au MGM. Donc, je sors du casino avec un autre garde du corps, Michael Moore. Il avait aussi passé la journée avec Pac et moi. Et on part au MGM. Les membres de Outlaws, Tupac, Michael Moore et moi-même. On arrive au MGM, il trouve une nouvelle table de craps. Il s'installe. Le MGM est bondé à cause du combat. C'est le soir du combat et il y a un monde fou. Il y a des femmes partout. Tout le monde veut approcher Pac. Avec Michael Moore et les gars de Outlaws, qui étaient là aussi, on essaie de le protéger. Il nous aide à contenir les gens et on trouve un coin plus tranquille. Pac se remet à jouer. Il joue gros et gagne gros. Il joue, il gagne. Il se sent bien et il me dit, « Frank, va appeler Reggie et vois où en est Shug. » Je lui dis de ne pas bouger pendant que je vais téléphoner et je lui montre les cabines. Il se remet à jouer et j'y vais après avoir prévenu Michael Moore. Je vais aux cabines et j'appelle Reggie. Il me dit, rappelle-moi un peu plus tard. Je te dirai à quelle heure Shug compte venir retrouver Pac. Très bien. Je retourne à la table, mais Pac a disparu. Il n'est plus là. Je me demande où il a pu passer. Pac ne m'avait jamais quitté comme ça avant. Jamais. Je cherche autour de moi. Impossible de le trouver. J'arpente le casino de long en large. Je fais toutes les tables, mais il est nulle part. À ce moment-là, je ne me doutais pas qu'il était parti. Plus tard, j'ai su que Michael Moore l'avait ramené au Luxor. Mais en attendant, j'étais au MGM, au courant de rien. Et je faisais un inventaire de toutes les sorties, sans savoir que ça me servirait un peu plus tard. Il se baladait tout seul, sans protection. Frank a appelé la chambre de Michael Moore, où ce dernier était parti se changer. Tupac lui aurait dit d'aller dans sa chambre. Il n'aurait jamais dû l'écouter. Puis Pac me dit qu'il veut retourner au MGM. Il en a assez de tout ça. Je lui précise que je ne suis pas habillé. Il me dit, va t'habiller, Michael Moore reste avec moi. Il ajoute à l'attention de Michael, quand Frank sera prêt, habille-toi et rejoins-nous au MGM. Je monte m'habiller dans ma chambre, je redescends et Mike monte faire pareil. Pac veut prendre un taxi. Je lui demande où on va. Au MGM. Je propose de marcher, mais il préfère un taxi. On attrape un taxi et on y va. On entre par l'entrée principale.
À ce moment-là, c'est la cohue. Tupac, Tupac! Ça court de partout. La sécurité du MGM arrive. Je leur demande de nous escorter jusqu'à la salle où aura lieu le combat. Ils me disent, pas de problème, allons-y, on vous suit. Ils nous accompagnent avec deux ou trois mecs et nous font passer derrière la queue qui s'est formée en attendant le début du combat. On arrive donc dans la salle du combat. À ce moment-là, il est 19h30. Pac est maintenant dans tous ses états. Il hurle, ça fait chier, mec! C'est du n'importe quoi. J'avais aucune envie de venir à Las Vegas. Ça part en couille. Il est sur les nerfs. Il ne voulait pas être là. Il a dit qu'il n'avait aucune envie d'être là. Puis il me demande d'appeler Shug. Donc je contacte Reggie. Pac commence à paniquer. Il pète les plombs. Il s'impatientait de plus en plus. Je demande à Reggie quoi faire. Il me dit qu'il va me rappeler. À ce moment-là, Tupac est à côté de moi, au cabine. Finalement, Reggie me rappelle pour me dire que Shug arrive. Il me demande avec qui je suis. Je lui dis, je suis avec Pac. Il me répond, d'accord. On attend. Les spectateurs entrent dans la salle et Pac s'énerve. Il fait les 100 pas. Il est hors de lui. Ça fait chier. Il faut toujours que Shug me fasse attendre. Je lui dis qu'il va bientôt arriver. Mais Pac en a marre. Il veut s'en aller. Je lui dis, très bien, comme tu veux. Au moment où on allait partir, Shug fait son entrée, accompagné d'un homme dont j'ai oublié le nom, et un gars de sa bande. Comme vous le savez, le combat n'a pas duré très longtemps. Après le combat, Tupac et Shug veulent aller dans le vestiaire de Mike. On se dirige donc vers les vestiaires pour attendre que Mike Tyson revienne. Pac est tout excité car Mike a mis Seldon KO. T'as vu ça? 50 coups, il lui a mis 50 coups, tu les as comptés? J'attends avec eux. Shug est là aussi. Il dit quelque chose à Pac et décide de partir. Tyson n'était même pas sorti du ring. On sort du MGM, derrière la salle du combat. Une fois près de l'entrée, on cherche les potes de Shug, les gars de Death Row, et Pac attend les Outlaws. Après les combats, en général, tout le monde se retrouve là-bas. On attendait donc les autres. Ils finissent par arriver. Tout le monde se ramène, et un gars de Shug, un certain Trevon, murmure un truc à l'oreille droite de Pac, car je suis à sa gauche. Il lui glisse quelque chose et Tupac disparaît en courant. Il part en courant. Je cours derrière lui et dans un hall, on tombe sur un type que je ne connais pas. Tupac se jette sur lui et le frappe. Le type envoie Pac valser. Pac le frappe à nouveau. À ce moment-là, 3 ou 4 coups ont été échangés. Tupac portait un médaillon qu'il avait acheté récemment et il s'est brisé. Il se baisse pour le ramasser et à ce moment-là, je l'attrape et je le maintiens contre le mur pour l'empêcher de se battre. Entre-temps, les autres sont arrivés, comme le montre la cassette. Ils se jettent sur Anderson. Maintenant, on sait qui c'était. Et ils entrent dans l'embrouille. Je maintiens toujours Tupac contre le mur. Le combat étant fini, il fallait qu'on s'en aille. Souvenez-vous, je connaissais désormais le MGM par cœur. Et en sortant, je vois qu'ils prennent la mauvaise direction. Je fais « Non, Shug, c'est par là !» Ils refusent, mais j'insiste. « Je connais, fais-moi confiance !» Finalement, tout le monde me suit et on trouve la sortie. On sort du casino direction le Luxor. De retour au Luxor, Shug et Pac veulent monter se changer. Rendez-vous en bas au parking. Pas de problème. Tupac se change. Il avait une chemise en soie et un jean. Et il décide de mettre un survêtement vert, un maillot et un pantalon vert. Et le médaillon ? Le médaillon était cassé. Il l'avait dans la poche. Je lui répare pendant qu'on est dans la chambre.
Je recolle les morceaux et il me demande « Ça y est ?» Je lui dis « Oui ». Il se le met autour du cou. J'ignorais ce qu'il représentait. Je ne l'avais jamais vu. Plus tard, j'ai appris que le médaillon portait son slogan « Yushun Asia », la compagnie de disques dans laquelle il avait démarré. Le médaillon représentait un ange noir de la mort. Cette touche sinistre et tout ce qui s'est passé après m'ont fait complètement halluciner. Après avoir reconstitué toutes les pièces du puzzle et pris du recul, je me suis dit qu'il y avait beaucoup trop de coïncidences. Je l'ai compris après la fusillade. On quitte la chambre et on part attendre Shug au parking. Il finit par nous rejoindre. En bas, on est assailli par des hordes de groupies. Toutes les fans de Tupac et de Shug sont là. Shug, on peut aller au club. Pac, on peut venir. Shug veut partir. Avec Pac, il va vers sa BMW. Je les accompagne. Quand on arrive à la voiture, Pac se tourne vers moi. Yo, Frank. Il sort des clés et il me les tend. Prends une autre voiture. Ce soir, on va boire. Tu pourras nous ramener. Je lui demande quelle voiture. Il me dit celle de Kabbalah. Je lui demande où elle est. Il me dit juste là. Les autres vont te montrer. Très bien. Shug monte avec Pac dans sa voiture. Il commence à y avoir du monde avec nous. Shug s'en va. Je les suis. Je suis le seul garde du corps. Honnêtement, il aurait dû y avoir 3 ou 4 hommes de plus ce soir-là pour nous accompagner jusque chez Shug et ensuite jusqu'au club pour l'after. Plus tard, j'ai appris qu'avec les agents de sécurité, on était 22. Il y avait 20 ou 22 personnes chargées de la sécurité ce soir-là. Or, tout le monde avait été convoqué au club 662 pour assurer la sécurité et filtrer la clientèle. Tout le monde était là-bas. Michael Moore, qui était avec moi en début de soirée et qui aurait dû nous rejoindre au MGM, m'a expliqué qu'Al Giddens, le superviseur des agents de sécurité, Al Giddens aurait dit à Michael Moore de tout plaquer et d'aller au club avec les autres. Michael aurait répondu qu'il accompagnait Tupac au MGM, mais Al lui aurait imposé d'aller au club. Mike est donc allé au club et il n'est plus resté que moi auprès de Tupac. Sans oublier que mon arme était dans ma voiture. Je n'avais pas de téléphone, aucun moyen de communiquer. Reggie aussi était au club. Or, Reggie est le garde du corps de Shug. Il est censé ne jamais le quitter. Pourquoi n'était-il pas avec Shug? Seul Reggie connaît la réponse. On était dans la voiture et tout le monde me fait la remarque. « Frank, on n'a plus d'essence. » Je fais « Vous voulez que je m'arrête en prendre ?»« Si on s'arrête, on les perd. » Je préfère risquer la panne plutôt que de m'arrêter. On devait juste passer chez Shug avant d'aller au club. Mais le voyant de la jauge d'essence était allumé depuis une éternité. Vous êtes resté longtemps chez Shug? On a dû rester chez Shug une bonne trentaine de minutes. Shug est allé se changer. On était tous sur les nerfs. Quand il a eu fini, il a sauté dans sa voiture. On a passé les barrages de sécurité qui contrôlent les entrées et les sorties de sa maison. Il devait y avoir 20 ou 30 voitures qui attendaient qu'on sorte pour nous suivre. On quitte la maison de Shug à une allure d'enfer. On doit rouler à 120-130 km/h vers le strip de Las Vegas. Pour finir, on arrive sur le strip. Et c'est un vrai miracle qu'on ne soit pas tombé en panne d'essence. On est sur le strip et on continue le boulevard. Le combat de boxe est fini et le strip est bourré à craquer. «
On arrive au niveau de l'hôtel Excalibur, qui est juste à côté de l'hôtel Tropicana sur le Strip. La voiture de Tupac et Shug est devant moi. Leur musique est à fond, car on entend tout. Il y a aussi des flics à vélo. Deux ou trois s'arrêtent, et l'un d'eux va du côté de Shug, pour lui demander, j'imagine, de baisser la musique. Soudain, Shug ouvre sa portière et sort de la voiture. Il va à l'arrière avec le flic et ouvre le coffre. La voiture était neuve, sans plaque. Pendant qu'ils inspectent le coffre, je me dis, pourvu qu'ils ne les arrêtent pas. Il les a laissés partir. On reprend donc notre route sur le Strip, on roule vers le sud. Pac et Shug sont tranquilles, ils discutent. Avec les autres, on les suit et on écoute leur musique. On arrive sur Flamingo, il faut tourner à droite. On tourne et au feu suivant, on arrive sur Koval. Personne ne se doute de ce qui va arriver. On s'arrête au feu. Je suis dans la deuxième voiture. Non, en fait, c'est la troisième. Un des gars de Shug est placé en première position. Ce qui n'était jamais arrivé avant. Personne ne roule devant Shug. Un autre homme de Shug, Trevon, est placé à gauche de la voiture, le côté où Shug est installé. On a donc Trevon à gauche, K-Dov devant, et moi qui ferme la marche. On attend tous au feu. On est en septembre, il fait chaud. On ne fait rien de spécial, on attend que ça passe au vert. Quand soudain, je remarque une Cadillac blanche. La Cadillac s'arrête. J'étais à 1000 lieues d'imaginer ce qui allait se passer. Car parmi la foule qui se dirigeait vers le club 662, les fans, et surtout les femmes, hurlaient. « Yo, Pac, Shug, on peut venir avec vous ?» Il y avait des groupies partout. Il n'y avait donc rien de bizarre à ce que cette voiture s'arrête. Je ne soupçonnais rien. Dès que la voiture s'arrête, je tourne la tête pour la regarder. Malcolm est assis derrière Yakfula. Yakfula est assis devant, à côté de moi. Et Castro est assis derrière moi. Avant que la voiture s'arrête, on regardait tous à droite. Quand la Cadillac s'est arrêtée, on l'a tous remarqué. Tout d'un coup, je vois un bras sortir. Le bras apparaît et ça se met à tirer. Nom de Dieu! On n'entendait plus que... La Dodge représente la voiture de Shug. Et celle qui est derrière représente la voiture dans laquelle j'étais. La Cadillac a roulé le long de la Dodge. La Dodge représentant la BMW. C'est à ce moment-là que le bras est sorti et qu'on a tiré. La Toyota blanche représente ma voiture. Les autres voitures représentent les gens qui nous accompagnaient. De ce côté-là, il n'y avait personne. La Cadillac a avancé, ça a tiré, et ils ont pris à droite sur Koval. Il n'y avait personne ici. Ces voies étaient vides. Il y avait de la fumée partout. J'en revenais pas. Je suis sorti en courant pour aller à l'arrière de la BMW. En arrivant au niveau de la BMW, en atteignant le coffre, je me dis qu'ils sont morts, qu'ils n'ont pas pu survivre. Mais la voiture démarre et fait demi-tour. Je retourne vite à ma voiture et fais aussi demi-tour. On se retrouve à rouler sur le Strip. J'imagine que Shug doit vouloir aller à l'hôpital et amener Tupac au commissariat ou aux urgences qui doivent être sur le Strip. Là, on se trouve au croisement du Las Vegas Boulevard et de Harmon. Après la fusillade, qui a eu lieu au croisement de Flamingo et Koval, Shug a fait demi-tour pour reprendre le Las Vegas Boulevard. Quand il a pris le boulevard, il roulait vers le sud. Il a ensuite pris Harmon et tourné à gauche. Puis la voiture a fini sa course ici, juste devant ce feu.
On était loin de la route quand c'est arrivé. On n'était pas sûr pour les coups de feu, mais on a entendu des cris et des crissements de pneus. On se baladait et on prenait des photos à ce moment-là. On a couru et croisé des policiers. Quand on est arrivé, ils étaient déjà en train d'emmener Tupac en hélicoptère, car on lui avait tiré dessus. Vendre des disques, c'est mon métier. Ne vous méprenez pas, c'est pas censé être ma vraie vie. Je traîne pas avec ces truands. Je pensais pas que c'était une question de vie ou de mort. Tant de larmes. Je m'appelle Brent Baker. Je suis inspecteur chargé des homicides à Las Vegas. Je me suis retrouvé sur l'affaire Tupac Shakur, car avec un autre collègue, j'étais de service ce soir-là. Vous enquêtez sur des homicides. Pourquoi être intervenu alors qu'il n'en était pas encore question ? Je vais vous expliquer comment ça marche. Le soir, pendant les week-ends, on fait appel à des inspecteurs polyvalents. Ce sont eux qui sont alors chargés d'enquêter sur toutes les affaires. Alors qu'en semaine et en journée, si on est au poste, on nous attribue des affaires selon nos spécialités. Ce cas précis a été classé dans les tentatives de meurtre, car quand les inspecteurs qui étaient de service cette nuit-là ont appris que Tupac faisait partie des victimes, ils se sont doutés que l'affaire serait vite reprise par les médias. Et ils l'ont transféré aux homicides, car il y avait tentative de meurtre. Et qu'on s'occupe aussi de ces affaires-là. Cathy Scott, je suis journaliste et écrivain. Aujourd'hui indépendante. J'ai passé 5 ans au Las Vegas Sun. J'écrivais un papier sur la police et j'ai donc suivi l'affaire Tupac. Il n'y avait aucun journaliste sur place à cause du combat. La plupart l'ont appris grâce au scanner, mais sans pouvoir venir. Personne n'est venu sur les lieux du crime jusqu'au lendemain. Tout le monde est venu à l'hôpital, mais on n'a vu ni reporter ni photographe sur les lieux du crime. Vous n'y étiez pas. J'y suis allé le lendemain vers 5h30, 6h du matin. La police est arrivée après l'accident de voiture, quasiment immédiatement. Le temps que la voiture de Shug finisse sa course, ils savaient pour la fusillade. Et on les avait aussi prévenus que les voitures avaient fait demi-tour pour reprendre le strip. La police est donc très vite arrivée, presque en même temps que moi. C'est-à-dire à peu près une minute après lui. Tout le monde était là. L'ambulance et les secours sont arrivés très vite aussi, car quelqu'un les avait appelés. S'ils étaient arrivés 2 ou 3 minutes plus tard, Tupac serait mort sur place. Ils ont sorti Shug du véhicule et l'ont immobilisé au sol. Je me suis approché et du sang giclait de sa tête. J'ai hurlé, « Laissez-le, il est avec nous, il fait partie du groupe. » Les flics me demandent qui je suis. Le garde du corps, lui, il fait partie des victimes. Donc, il le relève. À ce moment-là, Tupac est toujours sur le siège passager et sa portière est fermée. Les secours et la police essaient de la décoincer, mais ils n'y arrivent pas. Shug dit, « Laissez-moi faire, c'est ma voiture. »
La porte était coincée. Shook s'approche, ouvre et on sort Pac de la voiture. Après l'avoir sorti, on l'allonge par terre le long de la voiture. Je m'agenouille et j'essaie de lui parler. Pac, mon vieux, Pac! Il suffoque. Et je l'entends dire, je ne peux plus respirer. Tous les gens qui étaient avec eux ont été immobilisés au sol, ce qui n'allait pas les amener à se confier à la police. Certains se sont plaints de la manière dont la police les a traités. Je peux comprendre leur réaction. Mais il faut aussi comprendre la nôtre. À ce moment-là, les policiers ne savaient pas ce qui se passait, qui étaient les bons et qui étaient les méchants. Ils ont agi comme ils le devaient, étant donné les circonstances. Tout le monde était suspect. Je me doute bien que ça n'a pas été facile pour personne. Quand je suis arrivé sur les lieux, c'est-à-dire beaucoup plus tard, j'ai essayé d'obtenir des informations. Mais les gens n'étaient pas très réceptifs. Ils parlaient sans vraiment me donner de renseignements valables. Il n'y a pas plus de pistes que de suspects. On n'avait pas grand-chose à ce moment-là. La majorité des gens refusaient de nous parler. Je sais qu'ils avaient leurs raisons et c'est probablement ce qui a ralenti les choses. Le lendemain, notre priorité était de parler à l'homme qui accompagnait Tupac Shakur, Suge Knight. On s'y est mis tout de suite. Le soir de la fusillade, on avait déjà essayé, mais on a été arrêté par les membres de Death Row, des avocats. Il a fallu attendre 3 jours pour pouvoir parler à Suge Knight. Après la fusillade, le lendemain de la fusillade, j'étais dans ma chambre d'hôtel quand je reçois un coup de fil de Reggie qui me demande de venir chez Suge. Je vais donc chez Suge. Tout le monde est là. Tout le monde est sous le choc. Les gens parlent peu. Personne ne réalise vraiment ce qui s'est passé. Finalement, Suge me convoque dans son bureau. Frank, j'ai hâte de parler. Je l'accompagne dans son bureau et on se met à discuter. Il me demande, Frank, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, Suge, d'abord, pourquoi avoir repris le strip avec tout ce monde? J'aurais tourné dans Tropicana au lieu de retourner sur le strip. Il me fait, je connais cet itinéraire aussi, mais je voulais prendre un autre chemin. Il a bien fallu que je le suive pour ne pas le perdre. Voilà notre conversation. On a passé en revue tout ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, ce que j'avais vu, ce qu'il savait. On a commenté le déroulement des événements en tête à tête. J'ai commencé à creuser, car quelque chose clochait. Pour moi, le déroulement de l'enquête était suspect. J'ai couvert beaucoup d'homicides et beaucoup de crimes. Et là,
j'avais l'impression que quelque chose clochait. L'enquête semblait traîner, et on le sait aujourd'hui, c'est effectivement ce qui s'est passé. Beaucoup de gens n'ont pas été interrogés. Je ne sais pas si on peut parler d'erreurs, mais certaines décisions ont très clairement ralenti le cours de l'enquête. Quelles erreurs ? Par exemple, l'attitude des policiers à vélo qui ont décidé de quitter les lieux. Ils sont partis, tout simplement. Il y avait deux lieux stratégiques, le premier où on a tiré sur Tupac et Shug, et le deuxième où a fini la voiture dans laquelle ils étaient. Il y a dû y avoir des témoins. Qui sait qui était présent ? La zone n'a même pas été sécurisée pendant 20 minutes. Les balles, les voitures, les témoins, tout a disparu. On a eu vite fait de marcher ou de rouler sur les lieux. Le 12 septembre, je suis rentré chez moi le 11 septembre. J'ai dit à Reggie que je devais rentrer prendre des vêtements, car on allait passer le reste de la semaine à Las Vegas. Reggie me fait, on va te trouver un vol, tu reviendras demain. Je lui réponds, pas de problème, je vais juste récupérer quelques affaires. Il était d'accord. Je suis donc rentré chez moi prendre ce qu'il me fallait. Le lendemain arrive, c'est le 12 septembre. Je m'installe à l'hôtel et je préviens Reggie que je suis revenu. Il me demande de rester dans le coin car Shug veut me voir le soir même. Je lui dis OK. Je ne fais donc rien de spécial dans la journée et le soir venu, je reçois un coup de fil. Reggie me demande d'être chez Shug à 21h. Je vais donc chez Shug à 21h. On est le 12 septembre. Il n'y a personne d'autre, à part Reggie et Shug. Reggie m'accueille à l'entrée et me dit, « Shug est vraiment contrarié. Il est très en colère. S'il s'en prend à toi, ne t'en fais pas. Il ne le pense pas. » Je lui dis que je comprends. Je le suis. Il me dit qu'on va s'installer au bord de la piscine. Très bien. On s'installe près de la piscine. La fameuse piscine rouge. Elle n'était pas rouge. Mais récemment, il avait fait peindre au fond l'emblème de Death Row Records. Et il avait fait installer un éclairage rouge qui donnait l'impression que la piscine était rouge. Shug tourne le dos à la piscine. Je suis assis en face de lui et de la piscine. Reggie est assis à ma droite. Shug commence à me parler. Frank, les inspecteurs vont te convoquer demain. Ils vont vouloir te parler. Souviens-toi bien de tout ce qui s'est passé et dis-leur tout ce que tu sais. On continue un peu la conversation quand soudain il me dit « Je sais que tu aimais Pac. » Je lui dis « Oui. » Il continue « Moi aussi. » Il rajoute « C'est mauvais cette histoire. Une fois de plus, j'acquiesce. » Cette conversation n'avait rien à voir avec celle qu'on a eue chez lui le lendemain de la fusillade. Je commence à me demander ce qui se passe. Je me sens mal à l'aise. J'ai une impression bizarre. Le rappeur Tupac Shakur a subi hier soir une troisième opération suite à des complications liées à la fusillade. Il est toujours en soins intensifs au centre médical de Las Vegas. Il a de graves blessures internes. Il a reçu plusieurs balles dans la poitrine. Le rappeur était à l'arrière d'une BMW noire faisant partie d'un convoi de 10 voitures lorsque des coups de feu ont été tirés depuis une Cadillac blanche. Hier, le révérend Jesse Jackson est venu prier au chevet de Shakur. Les médecins auraient dit à sa famille qu'ils espéraient que le rappeur se remettrait de ses blessures. Conan Nolan pour CBS News, Las Vegas. Si je meurs ce soir. Le lendemain, on est le 13 septembre. Le 13 septembre, en 1996, tombait un vendredi. Je devais commencer mon service auprès de Tupac à 8 heures du matin. Avant que j'y aille, Reggie me demande de ne pas m'approcher de sa famille.
Il me dit qu'ils m'en veulent énormément. Je lui demande pourquoi. Il me répond, parce que leur fils est en train de mourir à l'hôpital. Je me dis, d'accord, je vois. Désormais, je ne peux plus parler à Yasmine, qui est l'assistante de Tupac à Euthanasia. Je ne peux plus parler non plus à Mama Shakur, à Feni. Génial. J'allais donc devoir les éviter toute la journée. Malgré les recommandations de Reggie, au moment où j'arrive à l'hôpital, un van s'arrête derrière moi avec à son bord Afeni et sa sœur Gloria. Elles entrent à l'hôpital et je les laisse passer devant moi. Elles avancent vers le fond et je marche derrière elles. J'arrive à destination et je prends la relève du garde du corps. Pac est toujours dans sa chambre. Je suis assis dans le couloir alors qu'Afeni et sa sœur sont à l'intérieur avec Pac. Bientôt, un médecin arrive, le médecin de Pac. Il entre dans la chambre où sont Tupac, Afeni et Gloria. Ils ressortent de la chambre et passent dans la pièce d'à côté. La porte est ouverte. Elle s'assoit, le médecin aussi. Afeni ou Gloria, je ne sais plus, s'assoit par terre et l'autre à côté du médecin. Ils se mettent à parler. Pendant ce temps, je les observe. Leurs expressions ne présagent rien de bon. Je suis assis là et je me décompose littéralement. Soudain, Afeni sort de la pièce et vient s'asseoir à côté de moi. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi dire. Elle s'est assise. J'ai posé ma main sur la sienne et elle a dit, « Ça va aller, Franck. » Je ne lui ai plus jamais reparlé depuis. Je l'ignorais, mais Pac était en train de mourir. Elle avait attendu la confirmation pour prendre sa décision. La journée suit son cours. Des millions de gens viennent voir Tupac. Même Snoop est passé le voir. Il est venu avec des gars dont Marcus et Kenner. Un tas de célébrités sont passées. J'arrive à la fin de mon service. Il doit être 3 heures. Deux gardes du corps viennent prendre la relève. Je traînais vaguement dans l'hôpital quand Reggie m'appelle. Il me demande de passer immédiatement chez Shug. Soudain, mon beeper se met à sonner. Je reçois une cinquantaine d'appels des gars de Death Row. Amène-toi chez Shug, dépêche. Shug veut te voir. Il y a une réunion. Pour finir, je reçois un coup de fil de Larry. Je finis par arriver chez Shug. Reggie m'attend devant la maison. Il y a 1 million de voitures. Reggie vient me chercher à l'entrée et me dit, j'ignore ce qui va se passer, mais surtout reste cool. Je suis avec toi. On est mal. Très mal. Dans mon fort intérieur, je me mets à paniquer. Je retourne m'asseoir au bord de la piscine. Mais cette fois, je ne suis pas seul. Il y a Shug, David Kenner, son avocat, un autre type dont j'ai oublié le nom. Il y a aussi 2 acolytes de Shug et Reggie. Reggie se tient juste derrière moi. Je suis assis à côté de Shug. Et quand je dis à côté, c'est à côté. Shug est chaud bouillant. Il est dans tous ses états. Je ne me doutais pas que Tupac était en train de mourir. Ça explique l'atmosphère tendue qui régnait. Shug me pose tout un tas de questions sur ce qui s'est passé. Les mesures de sécurité, où j'avais mis mon arme. Il était obsédé par les sécurités. Là, je me dis, ça y est, je suis le bouc émissaire. Je regarde Reggie et je lui dis, c'est à toi de répondre aux questions sur la sécurité. Il ne réagit pas.
Alors j'interviens. Shug, c'est pas moi qui gère la sécurité, c'est Reggie. Il aurait dû y avoir plus d'hommes avec nous. J'avais prévenu qu'il fallait renforcer la sécurité de Pac. J'avais demandé plus d'hommes. Il me fait, et Michael Moore? Je lui dis qu'on l'avait rappelé au club 662. Tout ce que je disais à Shug, Reggie aurait déjà dû lui avoir dit. À un moment donné, Shug me dit... Non, pardon, il s'adresse à Reggie. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel avec la sécurité? Reggie ne sait pas trop quoi dire. Il se justifie en disant que c'est Al qui supervisait la sécurité. Il n'assume rien du tout. Je suis toujours assis avec eux quand soudain, le téléphone sonne. Shug prend le téléphone, il décroche. Puis il se lève et il balance l'appareil. Direct sur la table. Paniqué, je regarde la piscine en me disant que je vais y passer. Je le sentais vraiment mal. Il se tourne vers nous et fait « On ne peut plus le sauver maintenant. » Il est en larmes et il ajoute « Il vient de mourir. » Je me mets à pleurer aussi. Je pleure et Shug s'en va. Les autres se lèvent et disparaissent aussi. Reggie me regarde et s'écrie « Bordel, fichons le camp d'ici. » Et je me demande « Pourquoi ?» L'assistance respiratoire n'aura pas suffi à sauver Shakur qui a été victime d'une fusillade la semaine dernière. Sa disparition a marqué tous les esprits. La police n'a pas de suspect et Shakur est mort avant que les enquêteurs n'aient pu l'interroger. Tupac était notre frère à tous, un bon frère. Ses paroles nous donnent la force d'espérer. Beaucoup sont émus, pas seulement les autres rappeurs ou ses fans, mais aussi les plus vieilles générations. Tout cela est très triste. Ils sont arrivés tôt ce matin à Harlem, sous la pluie, pour rendre hommage à Tupac Shakur et faire passer un message de paix. On est là pour dire qu'il faut changer les choses, transformer le mal en bien. Nous vivons dans un monde négatif et il faudra plus que sa mort pour faire reculer la violence. Ça ne servira pas de leçon. Ça n'arrêtera ni les fusillades, ni la violence. Malheureusement. Un grand froid s'est abattu sur le monde du rap et du hip-hop. Au cas où vous ne le sauriez pas, même si on l'a dit dans tous les médias, à la télé et à la radio, le rappeur Tupac Shakur nous a quittés. Toutes mes condoléances à sa famille. Il était fantastique. J'ai lu beaucoup de choses sur lui. Il œuvrait pour notre communauté. On enchaîne, je vous écoute. Les jeunes devraient apprendre à s'aimer les uns les autres. Il faut faire cesser la violence et œuvrer pour un monde meilleur, afin que de telles choses ne puissent plus se reproduire. Bien dit, monsieur. Et bien sûr, merci d'avoir appelé pour partager votre sagesse avec nous. Toutes mes condoléances à la famille de Tupac. Je vous appelle pour savoir, Tupac est mort? Il y a une heure. Une heure après sa mort, les appels déferlent pour parler de lui. Il est vraiment mort? Pour le DJ Greg Street et Sean Hutchins, c'est une grande perte pour le rap. Il a dû se laisser embarquer dans une sale histoire. Il était clairement visé. Il s'était passé quelque chose. S'il avait eu la chance de pouvoir aller plus loin, les gens l'auraient découvert sous un meilleur jour. Il était prêt à monter encore plus haut. Thank you.
Tout de suite, j'ai appelé des gens. Ils me disaient tous de quitter Las Vegas. Mais c'était impossible. Je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas prendre ma voiture. Ils étaient là, va-t'en. Il était mort. Il avait vécu, il était mort. Son style funèbre est caractéristique de sa carrière dans le rap. Surtout quand il dit « Si je meurs ce soir, combien de frères seront tombés aussi ?» ou « La mort m'attend au tournant ». Parmi toutes ces préoccupations, la mort était toujours liée à la souffrance dans sa rhétorique. Pour lui, l'acceptation rhétorique de la mort ne pouvait se faire qu'à travers une forme de souffrance. Pourquoi Dieu accepte-t-il la mort et la destruction? Dans Unconditional Love, il demande à sa mère pourquoi la mort l'attire tant. C'est à cause des souffrances qu'il a endurées. L'abandon de sa mère et de son père, les nombreux déménagements de ville en ville, la vie qu'il menait quand il était sans domicile fixe. Avant d'arriver au collège à New York et d'habiter à Harlem, Manhattan et dans le Bronx, il avait déjà déménagé 22 fois. Au départ, ce n'était ni une racaille ni un bandit, mais un artiste, un rappeur bohème. À cause de tout cela, il a connu de nombreuses difficultés. À cause de son talent, les gens se moquaient de lui. Il riait de ses habits. Il en avait peu. Il a énormément souffert psychologiquement et socialement. Il l'a exprimé dans sa musique et son obsession de la mort qu'il a ressentie très tôt. Il s'interdisait toute possibilité d'espérer. Il le clamait souvent. « Ce n'est plus la peine. Je n'ai aucun espoir. » C'est l'histoire de sa vie. Les gens ont de la compassion pour tout. Les animaux, les baleines, les bêtes à fourrure, tout, sauf nous. Les jeunes auxquels on ne fait pas attention et qui vont devenir des adultes impitoyables. Vous comprenez? Imaginez, vous marchez dans la rue, sur du béton, et vous voyez une rose sur le trottoir. Même si ses pétales sont abîmés et sa tige tordue, vous ne pouvez que vous émerveiller devant cette fleur. Alors pourquoi chez un enfant qui a grandi dans le ghetto, qui peut parler, vous faire rire, pleurer ou sourire, vous ne voyez que le mauvais, que les défauts de cette fleur? Vous ne voyez même pas que je m'en suis sorti. L'impression que j'ai eue, c'est que les gens ne voulaient pas parler. Et la police affirme n'avoir pu récolter que peu d'indices, car personne ne voulait coopérer. C'était leur grande excuse. On n'arrête pas une enquête faute de coopération. Il faut insister. Par exemple, Orlando Anderson. J'ai trouvé un peu bizarre qu'il soit mis en garde à vue et qu'ensuite... Enfin, je veux dire, il a été interrogé au MGM et il a décidé de partir. Ça aurait dû sonner l'alarme. Plus tard, il a été mis en garde à vue, mais ils l'ont vite libéré, faute de preuves. Vous savez vers quelle heure Orlando a été autorisé à quitter le MGM? C'était 2 heures ou 2h30 avant la fusillade. J'ai aussi appris par la police et d'autres personnes qu'Orlando Anderson avait justifié sa présence à Las Vegas de plusieurs manières. D'abord, il a dit qu'il était là pour le combat. Ensuite, il a dit qu'il était venu à Vegas pour acheter des places. Il serait venu acheter ses entrées sur place, ce qui est quasi impossible, à moins de les avoir achetées 2 000 $ au marché noir. Or, il n'a pas assisté au combat, il n'était pas là pour ça.
Ensuite, il a dit qu'il était là pour jouer au casino avec sa copine. Il n'a pas été capable de justifier sa présence. Pour moi, ça, c'est un avertissement. Où était-il pendant la fusillade? Il n'avait pas d'alibi. Ça a commencé avant l'aube. 300 officiers issus de 10 agences, dont le FBI, ont été déployés dans plus de 37 localités dans les environs de Compton, Linwood et Long Beach pour des arrestations locales liées aux 12 fusillades qui ont eu lieu à Compton et qui ont fait 3 morts. Selon les autorités, il pourrait y avoir un lien avec le meurtre du rappeur Tupac Shakur. Notre enquête a révélé que les fusillades de Compton pourraient être un règlement de compte lié aux événements de Las Vegas. Ceux qui connaissent la mécanique des gangs savent que leurs membres appliquent la loi du talion quand d'autres gangs s'en prennent à eux. Si l'on prend le 7 septembre, comme date de référence, c'est que la violence et le nombre des fusillades ont augmenté depuis. La voiture de Shakur a été criblée de balles après un combat de boxe le 7 septembre à Las Vegas. Le rappeur est mort une semaine plus tard. La police de Las Vegas a ratissé le quartier et va interroger plusieurs suspects, dont un membre de gang de 22 ans, dénommé Orlando Anderson, qui aurait été à Las Vegas ce soir-là. Le département de police de Las Vegas n'a pas de suspect pour le meurtre de Tupac Shakur. Cependant, des doutes pèsent sur un homme arrêté pour un homicide qui a eu lieu en avril à Compton et que la police va interroger. Mais sinon, adressez-vous à la police de Las Vegas si vous voulez des informations sur le crime qui a eu lieu là-bas. On n'a jamais soupçonné quelqu'un en particulier. Il y a plusieurs suspects, mais je n'ai pas le droit de citer des noms. Plusieurs personnes ont été suspectées très tôt. Beaucoup de noms sont apparus tout au long de l'enquête. La plupart ont été éliminés rapidement en fonction de nos informations. Nous savions des choses qui n'ont pas été rendues publiques. Elles nous ont aidés à faire le tri et à abandonner les fausses pistes. Malheureusement, il y en a beaucoup. À mon avis, ils n'ont jamais eu de suspect. Je ne crois pas qu'ils aient vraiment cherché. Ils ont même hésité avant de voir Orlando Anderson comme un suspect. Ils l'ont fait, mais ils sont revenus sur leur décision et ont affirmé que non, ils n'avaient jamais été suspectés. Suge Knight, j'ai trouvé intéressant le fait qu'il ait passé la nuit au centre médical de l'université. Tupac, bien sûr, y était aussi, mais Tupac était aux soins intensifs. Suge a été admis à l'hôpital. On lui a attribué une chambre d'hôtel, enfin, je veux dire, d'hôpital. Il a passé la nuit là-bas et il est sorti le lendemain matin. Quand les deux inspecteurs sont arrivés pour interroger Suge, il avait déjà quitté l'hôpital et ils l'ont donc raté. Ils ne sont jamais allés chez lui alors qu'il a une maison à Las Vegas. Ils ne l'ont pas interrogé. Ils ont vu ses avocats et c'est seulement 6 ou 7 jours plus tard qu'ils l'ont vu pour un interrogatoire qui n'a duré que 20 minutes. Le lendemain, la première chose qu'on a voulu faire, c'est parler à l'homme qui était dans la voiture avec Tupac Shakur, Suge Knight. On s'y est mis tout de suite. Le soir de la fusillade, on avait déjà voulu lui parler, mais on ne nous avait pas laissé l'approcher. Les membres de Death Row et ses avocats. Il nous a fallu 3 jours pour pouvoir interroger Suge Knight. Un grand nombre d'incohérences apparaissent dans cette affaire. D'abord, les témoins qui étaient là ce soir-là ont vu 2 véhicules différents, une Cadillac ou une Lincoln.
D'après les descriptions, je pencherai pour une Cadillac, malgré le fait que le seul numéro de plaque relevé corresponde à une Lincoln. Disons que les témoins ont affirmé que la voiture, que la plaque était sur une Lincoln. Le numéro a été vérifié. En fait, le numéro en lui-même n'était pas valable. J'ai essayé tous les recoupements possibles et je n'ai rien trouvé avec ce numéro. Quant à la Cadillac, on nous a donné 50 versions différentes concernant cette Cadillac. Pas une ne concordait. Quant à suivre les voitures après la fusillade, il s'agit à nouveau d'un malentendu dont je n'ai aucun mal à parler. On a parlé des officiers qui étaient au parking pendant la fusillade. Comprenez qu'ils n'étaient pas en position de voir ce qui se passait. Ils ont entendu les coups de feu, mais le temps qu'ils bougent, d'autant plus qu'ils étaient sur une autre affaire. Tout le monde était déjà parti. Ce n'est pas comme si, après la fusillade, les voitures étaient restées en place. C'était une scène dynamique. Une fois de plus, tout est basé sur un témoignage. Et encore, le témoignage d'une personne en particulier à laquelle j'accorde plus de crédit qu'aux autres. Les témoignages ne s'accordent même pas sur le tireur de la Cadillac blanche. D'après les informations que m'ont données les témoins, et en particulier une personne qui nous a bien aidés, je dirais que ce n'était pas le conducteur, étant donné la position qu'il occupait. D'après les témoins qui ne faisaient pas partie de leur groupe, mais qui étaient là par hasard, et les descriptions qu'ils ont données, le tireur ne pouvait pas être le conducteur. Les revolvers ne laissent pas de douille. Ils penchent donc pour ce genre d'arme à feu qui n'aurait laissé aucune preuve matérielle derrière elle. Des preuves matérielles? Non. Mis à part les descriptions faites par les témoins et d'autres fusillades similaires, on n'a pas de pièces à conviction. Et encore, une seule personne a émis l'idée qu'il pouvait y avoir un autre tireur. Du type d'arme utilisée au nombre de coups de feu, il reste beaucoup d'inexactitudes. Je crois qu'il a été touché 4 ou 5 fois sur une douzaine de balles tirées. Il a été touché 3 fois, mais une balle l'a touché 2 fois. Ce sont donc 2 coups de feu qui ont causé ses blessures. Un des témoins de la fusillade est un ami d'enfance de Tupac, membre du groupe de Outlaws, Yafefula. Je n'ai interrogé aucun témoin. J'ai interrogé Yafefula le soir même. Il n'était pas très content à parler avec moi. Le fait que la seule personne qui ait affirmé avoir tout vu et pouvoir identifier le tireur... Il a dit qu'il pensait pouvoir identifier le conducteur. Il n'a jamais parlé d'identifier le tireur. Yafefula, alias Kadhafi, est mort 1 ou 2 mois plus tard. Les polices d'Orange County, du New Jersey et de Las Vegas ont affirmé que les 2 meurtres n'étaient pas liés. Je ne suis même pas sûre qu'ils aient vérifié. Quand on a appris qu'il avait été tué, j'ai tout de suite appelé le New Jersey. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Dès le début, on n'a pas vraiment été aidé par les avocats de Death Row. Et ce, dès qu'on a voulu interroger Suge Knight.
On n'a trouvé aucune preuve tangible. J'ai appelé les collègues là-bas et pour eux, il était évident que ce meurtre n'avait aucun rapport avec celui de Shakur. Pourquoi t'en prendre à moi? Plusieurs rapports récents témoignent du fait que Suge Knight aurait été directement impliqué dans le meurtre de Tupac Shakur. Je n'ai trouvé aucune preuve indiquant que Death Row ou Suge Knight étaient impliqués dans le meurtre de Tupac. J'ai parlé avec beaucoup de gens, dont la police de Los Angeles, qui semblaient vouloir penser, ils ont voulu l'accuser. Et sachez bien que si la police de Los Angeles avait quoi que ce soit indiquant que Suge Knight était impliqué dans le meurtre de Biggie Smalls, ou que si la police de Las Vegas pouvait prouver son implication dans les meurtres de Tupac ou de Biggie, ils l'auraient inculpé. Ils ont essayé. Beaucoup de policiers ont essayé de prouver que Suge était dans le coup. Mais ils n'ont rien trouvé et ça n'a pas marché. Certaines personnes aimeraient le voir en prison. On en a beaucoup parlé. J'ai sérieusement envisagé cette hypothèse. Pourquoi pas? Mais je pense que quand on veut faire tuer quelqu'un, on n'a aucun intérêt à être dans la même voiture que la cible. Surtout, si on prend en considération la taille de Suge Knight. Il était juste à côté. Vu les circonstances de la fusillade, je suis étonné qu'il n'ait pas été plus touché. Oui, on en a parlé. Mais je pense malgré tout que ce n'est pas lui qui a commandité cette fusillade. En juin 2001, le magazine Rolling Stone affirme que Frank Alexander sait pourquoi Suge aurait fait tuer Tupac. C'est n'importe quoi. Je ne peux parler que de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je n'ai jamais vu ce dont il est question dans l'article. Je n'ai jamais dit des choses pareilles. J'ai dit dans mon livre Got Your Back que je ne comprenais pas pour quelle raison quelqu'un irait dans le même véhicule qu'une autre personne si son intention était de la faire fusiller avec des balles qui fusent dans tous les sens. Suge était autant visé que Tupac. Je maintiens ce que j'ai dit dans mon livre. Pourquoi aurais-je dit à Rolling Stone ou à cet enquêteur, Russell Poole, comme il essaie de le faire croire, pourquoi aurais-je dit des choses dont je ne parle pas dans mon livre? J'en aurais d'abord parlé dans mon livre. Je suis choqué que Rolling Stone ait publié ça avant de vérifier auprès d'une autre source. Ils auraient pu aussi contacter mon éditeur. Je n'ai jamais dit que Suge Knight était de mèche avec le tireur. Personnellement, Suge ne m'a jamais rien fait. Il traitait très bien les agents de sécurité, je l'ai déjà dit. Aucun garde du corps n'a jamais eu de problème avec lui. Jamais. J'ai été interrogé par le FBI. J'ai été interrogé par les inspecteurs de Las Vegas, par la police de Los Angeles. Pourquoi aurais-je accusé Suge d'avoir fait tuer Biggie? Je ne travaillais plus pour Death Row Records. Je ne sais pas du tout pourquoi Biggie a été tué, ni qui l'a tué. Et Tupac, vous savez pourquoi? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'informations et de rumeurs qui courent. Les gens disent un tas de choses. Et je trouve ça absurde d'imaginer qu'un commanditaire aille s'asseoir à côté de sa victime pendant une fusillade en espérant qu'il passera au travers des balles. C'est ridicule. Ça ne s'est pas passé comme ça. Combien de temps me pleureront-ils ? Quand une star meurt jeune, c'est dur pour les autres de s'identifier. Qui veut mourir jeune? Le public protège sa vulnérabilité en protégeant Tupac. S'il est mort, je peux mourir. S'il n'est pas mort, cette possibilité n'existe plus.
D'où la légende urbaine selon laquelle on aurait vu Tupac à Cuba avec Asada Shakur. On parle aussi d'une île paradisiaque. C'est une manière de se protéger face au constat effrayant qu'on va et qu'on peut tous mourir. De plus, je pense que Tupac est le premier candidat pour ce genre de canonisation culturelle qui, d'habitude, était plus réservé aux stars comme Elvis. Quand Charlie Parker est mort, on a tout de suite dit que c'était faux et des gens ont affirmé l'avoir vu. Évidemment, Tupac n'est pas le premier, mais c'est la plus extraordinaire icône noire du monde urbain post-industriel. Tupac avait un don, je le pense sincèrement. Et je pense aussi qu'une partie de ce don était son sens de la prophétie. Il ressentait ce que Freud appelle le thanatos, c'est-à-dire l'amour de la mort, le désir de la mort. Il était persuadé que tel était son destin. Il était hanté par sa destinée, accro à la mort. Il commençait à sentir qu'il allait mourir. C'était clair dans son esprit et dans son cœur qu'il mourrait jeune. Tupac ne pensait pas vivre jusqu'à 30 ans. La mort était toujours liée dans sa rhétorique à la souffrance. Pour lui, l'acceptation rhétorique de la mort ne pouvait se faire qu'à travers une certaine forme de souffrance. Pourquoi Dieu acceptait-il la mort et la destruction ? Il parlait beaucoup de sa propre mort dans ses chansons. Il est parti le 13 septembre 1996. C'était son heure. Le rendez-vous était fixé. Je n'aurais rien pu faire. Personne d'ailleurs. Sinon, rien de tout cela n'aurait eu lieu. On aurait retrouvé les tireurs, on aurait su qu'il avait tué. Dieu avait déjà prévu son départ. On en a beaucoup parlé avec sa mère, et je l'ai écrit dans mon livre, Got Your Back. Sa mère m'a dit, « Mon petit Frank, tu n'aurais rien pu faire ce soir-là. La vie de Tupac Shakur était déjà écrite. » Elle devait s'arrêter le 13 septembre 1996. Personne n'aurait pu le sauver. J'ai ressenti un immense soulagement quand on a eu cette conversation. On s'est revus 2 ans après la fusillade. Ça devait être en juin ou juillet 1998 quand on a reparlé de tout ça. Ça a vraiment soulagé ma conscience de pouvoir lui parler et d'avoir son soutien. Elle ne m'en voulait pas. Je n'y étais pour rien. Les autres m'importaient peu. C'est sa mère qui comptait le plus. Et elle m'a donné sa bénédiction. Désormais, seul Dieu peut me juger. Fin de l'histoire. Tupac Shakur est mort depuis 5 ans. Mais son dernier album, sorti en février 2001, s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires en 3 mois. Tupac a vendu plus de 33,5 millions de disques, mais il est mort avec moins de 100 000 $ en banque. Des rapports affirment que Death Row Records devait à Tupac entre 4 et 9 millions de dollars au moment de sa mort. Tupac avait enregistré plus de 200 chansons quand il est mort. Sa mère, Afeni, a dû poursuivre Death Row pour obtenir les droits. Dans le monde entier, il y a des universités où l'on étudie la vie et la musique de Tupac Shakur. La police de Las Vegas enquête toujours sur le meurtre de Tupac Shakur. Cathy Scott a sorti un livre qui contient une photo de l'autopsie de Tupac Shakur. Cathy Scott refuse de dire où elle s'est procurée cette photo. Le professeur Michael Eric Dyson, auteur et spécialiste du hip-hop, a publié un livre intitulé « Holler if you hear me, searching for Tupac Shakur ».
Frank Alexander n'est plus garde du corps. Aujourd'hui, il est auteur, pasteur et il élève des chevaux. Je ne peux pas mourir en sachant qu'on me prend pour un criminel. La vérité doit éclater. Je ne suis pas suicidaire. Je ne partirai pas avant que les pendules soient remises à l'heure. Mais une fois que tout sera réglé, je baisserai le rideau. C'est comme ça. Si je ne peux pas vivre libre et être respecté, je préfère partir. Comme une coquille abandonnée, vision d'un dieu désabusé. Les anges auraient dû toucher ton front pour te guider. Et les balles de Tupac éloignées. Le mystère n'aurait pas existé. Et tu aurais continué à chanter. 1996, tes paroles ne sont plus les mêmes. Mais j'accepte la vérité sans haine. Imagine ton âme et tes mots pour toujours notre emblème. Jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Pétrifiés, tes amis ont pleuré quand notre monde s'est effondré. Beaucoup de MC ont voulu continuer, mais sans guide, tu le sais, nous sommes fragiles. Sans toi pour nous porter, nos esprits sont inutiles. Maintenant que tu es parti, ils sont en péril. Tes ennemis te regrettent en attendant ma requête, Pac. Ils écoutent attentivement nos cœurs vaillants et ton esprit enivrant. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Personne ne peut te remplacer. Sans toi, ces clowns n'auraient pas existé. Si tu pouvais revenir, construire un empire, on aurait tant aimé te voir vieillir. Aux enfants, tu avais encore tellement à dire. Hip-hop, ressaisis-toi, il est temps de grandir. Frère, ne vous laissez plus endormir. Il faut agir pour cesser de souffrir. Jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. On t'a déroulé le tapis rouge pour tes films. Tu as laissé des salles en transe avec tes rimes et gravé dans la pierre ton message ultime. Aujourd'hui, tu es en paix. Tes démons se sont tus. Aujourd'hui, tu es en paix. Tes démons se sont tus. Aujourd'hui, tu es en paix. Tes démons se sont tus. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Crois-moi. Je ne pensais pas qu'ainsi tu partirais. Non, jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Jamais je n'aurais pensé qu'ainsi tu nous quitterais. Non, jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Jamais je n'aurais pensé qu'ainsi tu nous quitterais. Thank you.